Et à tout le monde, on va parler de l'attaque des Titans saison 2 aujourd'hui. Alors voilà, l'attaque des Titans saison 2, c'est maintenant, ça a débarqué, ça a commencé. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de vous montrer différemment la présentation de l'attaque des Titans saison 2. J'ai mis la TV, l'épisode, l'attaque des Titans saison 2. J'ai pu voir l'épisode, donc on va parler de cet épisode de la saison 2 qu'on attendait depuis 4000 ans, hein, on va se le dire. Hein. Donc on va un peu parler de ce qui s'est passé durant cet épisode 1. On a appris des choses, et oui. Donc attention, pour ceux qui n'ont pas encore vu la saison 1, vaut mieux que vous partiez de cette vidéo parce qu'il y aura du spawn. Parce que je vais vous parler de ce qui s'est passé durant cet épisode 1. Et voilà. J'avais envie de faire cette vidéo parce que franchement l'attaque de saison 2 je l'attends depuis 4000 ans. Et là il faut que je la fasse, donc on va parler de ce premier épisode. Alors l'épisode 1 de l'attaque de saison 2 commence déjà fort. Donc on nous montre ce qui s'est passé durant cette saison 1 et on apprend notamment que les Titans sont dans le mur. Et oui, ils sont dans le mur de Maria, enfin de Rose, dans le mur, enfin, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, on apprend déjà une chose, que les Titans sont dans le mur. On apprend aussi que le mur de Rose a été détruit par les Titans et ça reprend vraiment la suite de ce qui s'est passé durant la fin du 26e épisode de la saison 1. Alors comme vous pouvez le voir derrière, on a un nouvel opening de l'attaque des Titans. Franchement, il est titanesque, hein. On va se le dire. On va l'écouter, regardez-moi cet opening, ce... Franchement, il pète la classe, l'opening de l'attaque des Titans. Moi qui adore les openings de les animés, quand ils sont bons, bien sûr, celui-là, franchement, j'ai surkiffé ma race, hein. Regarde-moi ça. Je vais pas en mettre plus parce que sinon je vais me taper des droits d'auteur, enfin peut-être pas. Hein. J'aime bien en tout cas le moment qui arrive aussi là. Alors dans l'opening de cette saison 2, on nous montre ce qui va se passer durant cette saison 2. On voit un titan qui est en bestiaire, on pourrait dire, on l'appelle comme ça en fait. Et c'est un peu le big boss, hein. On va parler, on va y venir juste après. Donc après le mur de Rose qui a été détruit, on nous montre 12 heures avant ce qui se passe. Et on voit Sasha et Connie qui vont retourner dans leur ville natale. Comme vous pouvez le voir, le mur de Rose a été détruit et tombé. Et les titans se dirigent vers Connie et Sasha. Comme vous pouvez le voir, on entend des musiques titanesques, hein, comme dans la saison 1. Là, on voit un personnage qu'on voit dans dans cette saison-ci, dans le premier, il s'appelle Mike. Hein. Donc ils vont partir, essayer de fuir, hein, de ce titan. Ils vont partir, évidemment, comme je vous l'ai dit, donc Sasha et Connie. On va les voir dans l'épisode 2 dans leur ville natale. Et là, les titans. Regardez, le moment de calme. Et donc Mike passe à l'attaque. Oui, j'ai une manette PS4. Et oui, parce que moi j'ai mis l'épisode sur la PS4 avec les USB. Et ouais, téléchargé, hein. Et oui, ça rigole pas. On voit Eren, donc Eren est dans son sommeil, évidemment. Et on le voit plus jeune ici. Mais il se réveille. Le retour de Mikasa. Et on revoit Rivail, hein, le caporal chef, hein, le personnage qui déchire et qui pète sa classe. Hein. Franchement, ce perso, mon personnage préféré. Donc on retrouve la bonne musique épique, hein, franchement, cet épisode. Franchement, il m'a tenu. Mais putain,
C'est épique, époustouflant, génial, titanesque, tout ce que vous voulez. C'était ce premier épisode, il envoie du lourd. Alors là, Mike est là, donc il est entouré de 4 titans. Et ici, le titan Bestiaire, quand je vous parlais justement, un titan qui fait 70 mètres, je pense, un truc comme ça, qui est un peu le big boss. Et vous allez voir que ce titan, hein, franchement, ce titan. Hop. Par contre, ce passage, j'ai pas trop aimé. Eh ouais, hein. Enfin, j'ai pas trop aimé, c'est parce que regardez, le cheval se fait prendre. Oh, regardez-moi ça, regardez cette classe là, ça pète, hein. Regardez le titan comme il regarde. Wow. Oh, il va le lancer et tout. Vous avez entendu ça? Arrête. Oh putain. Déjà la mise en scène, l'animation et tout. Oh mais ça déchire les amis. Dans cette vidéo je vais le répéter. Cet épisode était juste monstrueux, hein. Oh là là. Et regardez évidemment ce titan, hein. Regardez quand il s'assied comme ça. Il regarde. Oh. Bon, j'espère ne pas me taper une droite d'auteur pour toutes les animés que je vous mets là. Mais comme vous avez pu le voir, bah, ce titan parle. Et ouais. Et ouais. Donc on apprend quand même des choses dans ce premier épisode. Hein. Les titans sont dans le mur en fait. Ils sont cachés depuis très longtemps dans le mur de Rose. Dans le mur de Maria, tout ce que vous voulez. Enfin, le mur de Rose a été détruit dans ce premier épisode. Ce qu'on avait pu voir aussi à la fin de la première saison, qu'il avait été détruit. Et là on apprend notamment que le titan, c'est-à-dire c'est un peu le big boss, hein, vous allez justement voir ce qui se passe, parce que c'est lui un peu qui contrôle tous les titans, et en plus de ça, il parle. Et ouais, il parle. Ça, si c'est pas quelque chose, en plus que le personnage que vous voyez ici, donc Mike, que, bah, qui s'est fait piéger quoi, il a un petit peu le même niveau que Rivaille. Donc tu te rends compte déjà l'impact que c'est en fait. Rivaille est déjà très 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 fort, hein, on peut le dire, hein. Et ce personnage, donc Mike, au moment dans ce premier épisode, est pas si fort que Rivaille, mais presque au même niveau. Et tu vois quand même que... Ah, ça suffit pas, hein. Regarde. Regarde, il est en panique totale. Donc comme il dit, bah, il dit que les humains, donc voilà, savent leur point faible des titans. Donc c'est dommage, mais bon, on s'en bat les toi. Peu importe toi. Le titan lui a pris son truc tridimensionnel. Elle l'a pris comme ça. Hop. Et il doit encore se battre. Et regardez-moi ça. Le big boss des titans. Allez, tuez-le. Et voilà comment se termine l'épisode. Ah, voilà, Mike s'est fait dévorer, il est mort, voilà, dévoré, déchiqueté en mille morceaux, tout ce que vous voulez. Et franchement, déjà dès ce premier épisode, il est déjà dramatique, on peut se le dire. Non mais franchement, quel épisode. Et vous avez vu comme ça finit? C'est un truc de malade. Franchement, c'était comme la première saison. Chaque fois que l'épisode était terminé, tu voulais mettre la suite, tu vois, tu voulais mettre la suite. Et là, c'est pareil. Là, franchement, j'ai même cherché après l'épisode 2, hein, je me suis dit, mais bon, il est où? Épisode 2, t'es où épisode 2? Attends, je vais regarder s'il est pas là. Non, je vais pas là. Attends, épisode 2, il est où? Attends, je vais te demander là. Épisode 2, attaque des titans, s'il vous plaît, je le cherche. Épisode 2, t'es où? Épisode 2, il est où? Attends, je demande à quelqu'un. Épisode 2, attaque ça, s'il vous plaît, où est? Épisode 2, je cherche épisode 2. Non. Non, apparemment il est pas là. Apparemment, il est pas là. Moi ouais, j'ai pas trouvé. Il faut attendre une semaine pour avoir un épisode 2. Franchement, c'est très long pour de l'attaque des titans, hein. Si tu vois ce que je veux dire. Alors attention, prochain épisode. Donc on voit Sacha et Connie qui vont dans leur ville natale.
そして故郷へと戻ったサシャは自らの過去と向かい合うことになるのだった。Donc Sacha va être confronté à son passé la semaine prochaine. Tadaima. Tadaima. De retour au village. Eh oui. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce prochain épisode de la Table en saison 2. Je sais pas comment est-ce que je vais faire pour attendre samedi prochain. Je me le demande, hein. Je crois que je vais peut-être chercher l'épisode. Je ne sais pas si je vous ferai le prochain épisode en vidéo parce que l'Attaque des Temps c'est un de mes préférés animés. Donc pourquoi pas, je verrai. On verra l'épisode 2 ce que ça donne et tout. Évidemment, ce sera aussi titanesque. On verra ça. En tout cas, j'espère que ce concept vous aura plu. Je vous mets un petit peu différemment. La TV comme ça, l'Attaque des Titans. Je suis là, je vous parle de l'épisode. Je vais vraiment vous parler de cet épisode 1 parce que franchement, l'épisode 1, comme je vous le dis, était titanesque. Bien entendu, je ferai la même chose aussi avec Boruto. Ah oui, parce que Boruto sort bientôt. Il sort le 4 avril, donc pas si longtemps que ça. On regardera un petit peu le premier épisode, c'est que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un gros pouce bleu, partager la vidéo, t'abonner à la chaîne. Et moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Arigato!